vous regardez RTL. Cette qui s'appelle Ariel et qui était adoucissante bien avant la lessive, Ariel Dombal. Quelle est cette tenue curieuse que vous portez, Ariel Dombal? Alors, c'est une tenue Boys Department. Ah oui. De, oui, ben oui, oui, de Ralph Lauren. Ah oui, non, bref, quand oui. C'est une racaille du 16e, en fait. Ouais. Quand je l'ai vu arriver, franchement, j'ai eu peur. Hein. Elle avait sa capuche et tout. Je me suis dit, vas-y, on va se friter. Et puis quand elle l'a enlevée. On dirait un sac de couchage. Mais cher, hein, achète de Vous savez parler banlieue, Ariel? Mais bouffon, je sais. Eh, franchement, c'est crédible. Hein. Vous avez déjà croisé Ariel en banlieue? Moi, bien sûr, je l'ai croisé. Moi, je suis tout fixe, je suis de la cité des Bois Fleuris. Et Ariel, en fait, c'était la chef, un peu. C'est elle qui organisait tout ça, les battues, les vols, les, quand on a brûlé les voitures, tout ça. Ouais, moi, elle m'a fait faire une tournante une fois. Oh, ben avec toi, elle risque pas grand-chose. Ça dépend de quel côté elle se tourne. Oh, ça y est, encore du cul. Oh. Ah, vous voulez de l'alcool, vous, forcément? Oui, s'il vous plaît. Ah, ben j'ai une première citation pour vous, monsieur Péroni. Qui a dit « J'ai un copain, il picole comme un radiateur de Jeep dans le désert africain oh. ». Ah, c'est français. Péroni, c'est Péroni. Ce n'est pas Péroni. Est-ce que c'est français? C'est français, oui. Est-ce que c'est vivant? C'est vivant. Il est animateur télé? Animateur télé, non. Ah, il est chanteur? Radio. Oui, oui, oui. Il est chanteur. Hervé Villard. Oh. Ah, ben non, alors, attendez. C'est Pierre Perret. Mais évidemment, c'est Pierre Perret. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni.